Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ton nom, Jésus. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Un nom puissant. Oh, un nom glorieux. Oh, un nom glorieux. Jésus. Alléluia. D'une trompette, c'est-à-dire qui appelle l'épouse au souper. Amen. Il dit, et qui me parlait dit, monte ici. Jean typifie l'église, l'épouse. Amen. Juste là, au quatrième chapitre, l'église monte. Alors, frère, je vais vous poser une question. Pour laisser les pasteurs maintenant prier. Nous sommes dans le quatrième âge de l'église. Septième âge de l'église. Je viens de dire. Les troisièmes, les trois dans les sept et les sept dans les trois. J'ai parlé hier, non? Pour la fois, j'ai dit, il faut écrire. Le trois, parce que quand vous allez voir le troisième âge de l'église qui passe avec les quatrièmes, c'est l'âge des ténèbres. Et l'église commence à reprendre sa forme, il commence à monter et le diable tombe. Amen. Et qui a le réforme avec la justification, l'église commence à répondre jusqu'au temps de la Philadelphie parce qu'il y a les sept esprits, les restaurations des dons. Amen. Là, il veut que l'église monte. Juste au quatrième, après le cinquième âge de l'église, l'église commence à monter. 5, 6, 7. Justification, sanctification, pacte. Il y va. Alléluia. Amen, amen. Oh, on n'a pas vraiment assez de temps. Je m'arrête là et l'homme de Dieu va prier. Amen, amen. Est-ce que vous avez saisi? Ça se passe, ça va se passer exactement d'un moment à l'autre, même ce soir. Parce que nous sommes dans le cinquième âge de l'église. Alors préparez. Il dit, répands-toi, sinon je viens sur toi. Toi, tu dis, non, laisse-nous encore, on n'a pas encore acheté des maisons avec des voitures. Et il va tout détruire, t'inquiète pas. Amen. Tu as encore les yeux sur la terre. Pendant que l'autre regardait sur la terre, alors Abraham leva les yeux et regardait en haut. Vous voyez là où les élus vont, hein? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, hein? Toi, tu regardes comme ça. Il a vu Sodome et Gomorre, qui seulement sa destruction parce qu'il regardait comme ça. Mais Abraham, la Bible dit, quand Abraham ne leva les yeux, il regarda en haut. Dieu lui a posé là dans le désert et c'est là où il y a la bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière et l'apôtre va s'approcher. Chacun a sa place. Je lui laisse sa place parce que je connais. Alléluia. Nous allons élever nos voix dans la prière. Chacun va prier au nom de Jésus. Selon que tu as reçu de la part du Seigneur, prie ton Dieu. Dis un mot à ton Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est mon prière à sur mon front. Je mets confiance en
Jésus-Christ, ce nom brillera sur mon front ce jour-là. Le nom de Jésus-Christ qui est écrit sur mon front brillera sur moi. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens en moi. Vis en moi. Conduis toute ma vie. Dès aujourd'hui, je tourne le dos au monde. Je tends ma main vers toi, Seigneur. Tends ta main puissante et tiens-moi. Soutiens-moi dans la foi que l'homme sur le cheval blanc enfin sur, et sur le cheval rouge, enfin sur le cheval pâle, qui s'appelle la mort, ne m'atteigne pas. Garde ma foi, Jésus. Soutiens ma foi, Jésus. Eux se confient à leur char. Mais nous, nous nous confions à l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as délivré dans le groupe de eux. Mais tu nous as amené, tu m'as amené dans le groupe de nous. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Écris ton nom sur mon front. Et que je reste l'épouse de la noce. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous dis que ça, c'est une réunion solennelle. Alléluia. Ça, c'est une réunion solennelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette salle, à moins que tu aies les yeux de l'esprit, que tu pourras comprendre. Nous voulons donner à notre Dieu des offrandes. Et nous voulons donner à notre Dieu les dîmes. J'ai des enveloppes ici. J'ai reçu un rapport du département de finances que l'Église a besoin de soutien. Hier, quelques-uns d'entre nous ont pris l'engagement de contribuer pour bénir la maison de Dieu. Et si dans la salle, le Dieu de gloire, celui qui t'a tout donné et à qui tu dois tout, celui avec qui tu es dans l'alliance, et dans cette alliance, tout ce qui lui appartient, t'appartient, et tout ce qui t'appartient, lui appartient, c'est à ce Dieu-là que nous voulons donner. Vous savez, quand on donne à Dieu, nous sèmons pour notre vie, nous sèmons aussi pour nos enfants, et nous sèmons aussi pour l'avenir. Si le Seigneur te touche à cœur, toi-même tu vas te déplacer pour prendre une enveloppe. Papa Johnny, maman. Papa Johnny, où? Nous allons nous mettre debout. Nous allons donner nos offrandes. Après avoir donné les offrandes, nous avons signalé dans nos invitations un moment intense de prière. Nous écoutons les communiqués. Quand les communiqués prennent fin, nous entrons dans la prière. 30 pile. On se salue comme convenu. Amen. Nous allons donner à Dieu nos offrandes ainsi que nos dîmes. Nous allons nous mettre debout.
Est-ce qu'on peut se mettre debout pour donner les offrandes? Sur terre. Nous nous préparons, nous marchons dans la sanctification. Nous ne sommes pas de ceux-là à qui Jésus-Christ disait encore « Cherchez le royaume des cieux et sa justice. » Non. Vous savez, il y a deux temps, il y a deux messages. Il y a ceux-là à qui Jésus disait « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » Mais vous savez, il y a à d'autres, Jésus-Christ disait « Ce n'est pas à vous de chercher ces choses. » Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à vous de chercher ces choses. Petit troupeau, n'ayez pas peur.
Parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Amen. Donc le même royaume que les autres doivent chercher, mais pour les disciples, ce n'était plus quelque chose à chercher. Amen. Parce qu'ils étaient dans le royaume. Amen. Et le royaume était le leur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc si tu as cherché hier le royaume, je crois qu'aujourd'hui tu as reçu le royaume de Dieu. Amen. Et comme Christ disait, le royaume des cieux est au milieu de vous. Ce royaume est avec vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ce royaume est avec vous, mon frère. Tenez bon le royaume. Tiens bon la relation, la communion avec Christ. Car beaucoup le cherchent encore. Amen. Mais toi, tu y es dans. Maintenant, nous voulons entrer dans la prière. Nos prières vont se diriger aujourd'hui vers nos familles, nos enfants. Nos prières vont se diriger vers les femmes enceintes. Les familles, nos prières vont se diriger vers nos projets, nos avenirs avec le Seigneur. Parce que nous attendons son avènement dans la prospérité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Oh, alléluia. Amen. Qui attend l'avènement de Jésus-Christ dans la pauvreté? Non. Il faut attendre cet avènement comme étant une église victorieuse. Amen. Quelqu'un qui prospère, quelqu'un qui va de l'avant. Amen, amen. Amen. Nous entrons dans la prière. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? C'est l'heure importante. Nous entrons dans la prière. Chacun va élever la voix maintenant. Nous voulons prier pour nos enfants. Tu as des enfants. Tu as une fille, tu as un fils. Prie aujourd'hui, bénis ton enfant. Bénis tes enfants loin des maladies, loin de l'apostasie, loin de toute difficulté du monde, des perturbations qui amènent l'homme loin de Dieu. Élevons nos voix, prions tous au nom de Jésus-Christ. Entrons dans la prière. Alléluia. Nous venons devant ton Saint-Trône dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les enfants de l'école de dimanche. Je viens devant ton Saint-Trône, je viens devant ta grâce, je viens devant ton onction, je viens devant ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Je viens devant ta puissante main, au prince de la paix, que dans le puissant nom de Jésus-Christ, l'onction puisse descendre sur tous nos enfants. Je prends autorité, je m'élève contre tout esprit de mort. Je prends autorité, je m'élève contre tout esprit d'accident. Je prends autorité, je m'élève contre toute malédiction des coutumes des familles. Au nom de Jésus-Christ, je le bannis, le paralyse. Je le chasse et le renvoie dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, les maladies héréditaires, les morts, la mort brusque, les esprits d'accident, les maladies graves, les maladies destructeurs. Au nom de Jésus-Christ et par les meurtrissures de Jésus, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité sur toi, esprit de mort, sur toi, esprit de destruction, sur toi, esprit de maladie. Tu dois quitter maintenant, tu dois quitter maintenant, tu dois quitter maintenant, tu dois quitter maintenant la vie de tous nos enfants, la vie de tous nos enfants, la vie de tous nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la vie et la victoire. Je proclame la santé, je proclame la croissance, je proclame la protection de l'Éternel et de Dieu. Il est écrit, il faut qu'on celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Oui, Père de gloire, merci parce que ton œil, ô Éternel, est sur nos enfants. Que ton sang de la protection, Seigneur, soit sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous chassons tout esprit de mort. Nous ordonnons à ces puissances maléfiques de quitter la vie de l'Église, de quitter tous les enfants de l'Église, au nom de Jésus-Christ.
Merci Père de gloire. Merci Dieu vivant. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour nos frères, pour nos sœurs. Nous allons prendre autorité sur tout esprit des mauvaises nouvelles dans nos familles. Nous allons prendre autorité sur tout esprit des morts, sur tout esprit des accidents. Nous vivons un temps brutal, un temps risqué, un temps compliqué. Nous allons prendre autorité sur tout esprit des morts, tout esprit des pleurs, toute forme de maladie cachée en nous, au nom de Jésus. Nous allons les chasser maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toi maintenant. Je me lève contre ton plan machiavélique. Je me lève contre ton plan caché. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre tous tes projets, contre mes frères, contre mes soeurs, contre moi-même. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter. Allez dans le lieu salut. Élève ta voix dans la prière, frère. Élève ta voix dans la prière. C'est l'heure de la prière. Mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare
tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière profonde et puissante. Élevons nos voix, prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia, oui, caramba, de caramba, chacaramba, papa. Oh, Maléga, quand tu viens, parce que c'est les quand tu viens, de caramba, papa. Merci pour ton église. Merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce. Voici ce que le Seigneur te dit. N'ayez pas peur. Car la mort est passée. N'ayez pas peur, car ce vent est passé. La peur doit te quitter. Car le vent de la peur et le vent de la mort est en train de passer. Chantons Gloria Kassandika. Tu es grand, Seigneur. Tu es tout puissant. Merci parce que aujourd'hui tu visites ta servante. Quand tu touches, tu retires de la mort. Toi mort, où sont tes aiguillons? Les aiguillons de la mort ont été détruits par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Sors et partez. Quitte la ville, cette sœur. Allez dans le lieu salide maintenant. Par le nom de Jésus-Christ et par le sang versé sur la croix de Golgotha, ton âme, ton esprit, ton corps est arraché d'entre les mains de tes persécuteurs. Je le répète, d'entre les mains de tes persécuteurs, tu es arraché par la puissance du sang de Jésus-Christ et par la puissance de la croix. Régulez, esprit impur. Tu ne l'accompagneras plus jamais. Amen. Tu ne l'accompagneras plus jamais. Amen. Tu ne l'accompagneras plus jamais. Amen. Tu n'es pas la seconde. L'acte de la condamnation est déchiré. La maladie est vaincue. Maladie, tu es vaincue. Merci. Nous allons continuer à prier, mes frères. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Si le Seigneur te met à cœur de prier pour une autre personne, priez. Montons dans la prière, mes frères. Montons dans la prière. C'est un moment important. Il nous reste 5 minutes de prière. Nous avons encore notre temps. Élevons nos voix, prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père, merci Seigneur, merci Adonai. Seigneur, je prie pour ma soeur à côté de moi, je prie pour mon frère à côté de moi, je l'abandonne entre tes mains, Seigneur. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon roi. Jésus-Christ, c'est toi qui fais des grandes choses. Jésus-Christ, c'est toi qui, dont la maison n'est pas épuisée. Épuise des grâces, épuise des bénédictions, épuise des victoires. Non, Seigneur, dans ta maison, il y en a en abondance. Dans ta maison, il y en a en abondance, en abondance, en abondance, en abondance. Père, merci, parce que tu es le Dieu de l'abondance. Merci, Seigneur, parce que tu accordes l'abondance à ton peuple. Tu accordes l'abondance à ton peuple. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous te disons merci. Tu as été avec nous. Tu t'es glorifié. Tu as
touché ton peuple. Tu as guéri ton peuple. Tu as déchiré l'acte dont les ordonnances les condamnaient. Nous voulons te rendre gloire parce que tu es amour. Et ton amour, Seigneur, se répand sur ton peuple. Peuple de Dieu, même si on ne t'a pas touché, crois que celui qui reviendra, il t'a touché particulièrement. Nous l'acclamons parce qu'il est notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous voulons clôturer notre culte. Donnons un peu assis. Nous voulons clôturer maintenant notre culte. Tu as été béni. Tu as été touché. Le dimanche prochain, les hommes de Dieu seront encore là pour continuer ces serments. Vous avez senti qu'ils étaient un peu rapides. Et pour nous, c'était un peu difficile de les saisir. Mais le dimanche prochain, nous avons encore cette assise. Le Seigneur veut que tu décolles, que tu prennes de l'ascenseur dans la foi. Mais pour cela, comme j'ai prêché la fois dernière, il faut avoir la maîtrise de la parole. Il ne faut pas blablablablamer sur la parole. Parce que la parole est écrite. Et si tu n'as pas la révélation, close your mouth, ferme directement ta bouche. Voilà, que le Seigneur bénisse. God bless you, Pastor John. We are so blessed. And we are waiting you for the next Sunday too. Because we need to continue with this prayer. Jesus coming back, we need to be informed about it. And we need to receive many knowledge about it. So, God bless you so much, Pastor Guy. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons été grandement bénis. Et le dimanche prochain, vous êtes là. Et sans tarder, j'aimerais quand même présenter sa femme, Maman Cathy, qui est là. Elle va se mettre en débrouille. Il y a Papa Thomas. Il est où? Mais Dieu est grand. Non, nous sommes bénis. L'Église est bénie parce que c'est ce qu'on cherchait. Moi, j'avais acheté tout ça. En fin de compte, on a envoyé ça en Afrique parce qu'on voyait que. Or, il y a quelqu'un, si vous avez vu les quelques publicités que je vous ai envoyées par email, c'est lui qui a monté ça en quelques secondes. Donc voilà, il y a des talents qui chôment quelque part. Or, ça peut être vraiment une arme pour l'Évangile. Nous avons la parole, nous avons la bonne et la meilleure onction si tu l'écoutes. Amen. Alléluia. Et s'il faut impacter cette ces pays, la Suisse, nous avons les possibilités. Alléluia. Mais ce n'est que possible avec toi. Si tu nous aides, nous pouvons bien coopérer avec le Saint-Esprit pour amener beaucoup d'âmes à Jésus. Maman Bibi, que Dieu vous bénisse. Je vais quand même donner le micro à notre papa. Les noms seulement, c'est bon. Frère Gabi. Il faut bien tenir l'église à Genève. Hein? Bien sûr. Que Dieu te bénisse. Merci. Communément, on m'appelle Papa Gérard. Ça, c'est le Papa Clément de là-bas. Papa. Je m'appelle Papa Jérôme. Papa Jérôme. Alléluia. Moi, c'est Frère Trésor. C'est le Frère Trésor. Un jour, vous allez entendre
les bonnes choses qui sont là-bas. Un frère converti à l'église a bien maîtrisé la doctrine comme papa Ernest et il fait un bon travail. Il y a encore un enfant de l'église, mais qui est venu maintenant à Zurich. Il faut qu'elle soit une bénédiction de l'église. Et ma soeur, tu peux te tenir debout parce qu'elle est des pauvres. Elle n'est pas là, maman. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Ah. Je pense qu'elle a. Un bon berger doit avoir des bons yeux. Amen, amen. Amen. Ok. Nous terminons notre culte par cet accueil. Nous voulons aussi bénir tous les enfants de Dieu, toute l'Église. Les dimanches prochains, nous continuons. La série continue. Donc, ce que tu vas faire, si tu sais que nous n'avons pas l'adresse, voyez l'évangéliste Didier. Depuis que l'évangéliste Didier est devenu évangéliste Didier, vraiment on ne les voit plus. Mets-toi un peu debout, mon bien-aimé. Ah! C'est lui qui tient notre carnet. Papa Jack, toi aussi mets-toi un peu debout. Voilà. S'il est occupé, voyez directement Papa Jacques. Papa Johnny, vous le connaissez, lui il est partout au four et au moulin. Donc partout tu vas le trouver. Ah, il est là. Les 10, pendant la semaine, suivez s'il vous plaît, pendant la semaine nous avons besoin de tous les papas ce mercredi. Nous serons en jeûne et en prière. Les papas. Parce qu'il y a beaucoup de transformations du côté papa. Nous, les papas, ce mercredi, il y a culte pour tout le monde. Mais nous, nous venons pour en jeûne et en prière. Nous venons pour prier pour nos enfants. On touche toujours les mamans. Mais cette fois-ci, les papas. S'il y a un papa chez toi à la maison, dis-lui, papa, aujourd'hui, c'est mercredi, demain, c'est mercredi. Va parce que tous les papas vont prier là-bas. Dieu va écouter les cris des papas cette fois-ci. Et nous demandons aussi aux mamans d'être là avec nous pour nous soutenir dans la prière. Amen, amen. Amen. Le mois prochain, nous avons une très, très grande réunion ici. Le 9, le 10 et le 11. Nous avons 3 jours de prière pour préparer l'année prochaine. Je sais que nous aurons beaucoup d'invités et nous risquons de manquer la place ici, des places ici. Mais pour le moment, Dieu nous a donné ces lieux. Mettez ça déjà dans ton programme. Les 18, ça sera la journée où nous venons honorer notre Dieu avec nos actions de grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute l'année. Nous voulons signaler aussi notre sœur Lady, que nous connaissons bien, a perdu son frère en Espagne. Elle rentre beaucoup plus ce soir ou demain matin. Il y a aussi Papa Sylvain qui avait perdu son cousin. Vous savez, nous vivons un temps où nous attendons trop de nouvelles qui nous brisent le cœur. Toi, que ton cœur ne soit pas brisé. Nous avons besoin de toi pour l'avenir. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons prier pour les autres. Nous allons mettre des moments que Papa Midi me signale quelque chose. Tout est bon. Nous allons nous mettre debout. Nous allons clôturer.
du Seigneur. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Nous voulons sortir de ces lieux avec ta bénédiction, Père. Nous voulons rentrer chez nous sous ta grâce. Sous ta bénédiction, Père. Que cela pousse dans nos cœurs, notre Père. Oui, Seigneur, bénis, Papa, la bouche que tu as utilisée. Oui, tu as dit, Seigneur, Papa, à l'homme riche Lazare, tu dis, oui, si tu ne veux pas que ta famille puisse venir là où tu es, là en bas, il y a des prophètes, il y a des gens qui parlent, Seigneur, notre Père. Que la bouche qui a parlé aujourd'hui, Seigneur, que cette bouche soit bénie au nom de Jésus, notre Père. Et que toi, Jésus, tu connais toutes choses, Seigneur. Que tu donnes à tes serviteurs, Papa, la force, Papa, et le courage de proclamer, Papa, ta parole. En vérité, Papa, en vérité, notre Père. Pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour toi, le grand Dieu, le Tout-Puissant, Seigneur. Toi qui connais toutes choses. Car ce peuple qui vient dans ces lieux, Seigneur, il ne vient pas pour un homme, mais pour toi, notre Père. Et il faut que la vérité, Papa, les affranchisse, parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, la semaine qui va commencer, nous les soumettons sous ta main puissante. Seigneur, nos enfants qui vont aller à l'école, Papa. Oui, Seigneur, Papa, il y a des accidents, notre Père. Il y a des enfants qui traversent, Papa, les rues, ils sont renversés, Seigneur. Nous chassons tout ce qui est esprit d'accident, Seigneur. Nous chassons tout ce qui est mort. Seigneur, nous chassons tout ce qui est visitation démoniaque et satanique. Nous les chassons au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, là où il y avait des maladies incurables, là où les médecins ont proclamé que cette maladie, c'était une maladie incurable, Seigneur, nous transformons cette parole de médecin en guérison au nom de Jésus. Oui, Seigneur, glorifie ton Seigneur parce que tu es le véritable. Yes. Seigneur, ta parole dit l'air de Dieu.
C'est un Dieu qui a des yeux, il ne voit pas. Il a le pied, il ne marche pas. Il a la main, il ne touche pas. Mais quand toi tu es le Dieu qui a les yeux pour voir, yes. Tu as les yeux pour voir, Seigneur. Et tu as les oreilles pour écouter. Seigneur, écoutez les doléances. Écoutez les pleurs de tes enfants, Seigneur. Là où il y a la maladie, étends ta main puissante. Là où il y a des pressions, Seigneur, intervient pour soutenir ton peuple. Seigneur, là où il y a, papa, les visitations qui ne sont pas les toi, que cela soit arrêté au nom de Jésus. Oui, Seigneur, papa, nous te glorifions car tu es le véritable. Oui, Seigneur, papa, tous les plans de l'ennemi, Seigneur, tu l'as écrasé, tu as effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait. Seigneur, tout ce qui a condamné ton peuple, tout ce qui a condamné ton peuple, que ce soit le lien familial, que ce soit le lien de coutume, que ce soit toute forme de malédiction, tu l'as effacé sur la croix de Dieu. Et tu nous as donné la victoire parce que tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Reçois l'honneur, papa, parce que tu es le Père. Reçois l'adoration, papa. Reçois, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es digne de t'élever parce que tu es Reine, parce que tu es notre Père. Et que la gloire, la louange te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est le premier né parmi les morts. Oui. Celui-là qui nous a réconciliés avec le Père. Oui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Que le peuple dise Amen. Amen. Bénir chacun de vous. Amen. Et rentrer dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis, 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 bénis à l'abondance. Amen.
Rachel. Merci pour ton nom, Seigneur.